Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais tout expliquer ça, mais avant ça, on va se prendre une petite bière. Zalo, salut. Je ne connais franchement pas du tout cette bière. Je n'ai jamais entendu nom ni rien. En fait, c'est pour mon anniversaire, l'ami Duce. On va faire un mètre de bière avec plein de bières que je vais découvrir avec vous en vidéo. Donc, j'ai fait des petites recherches sur cette petite bière. C'est une bière de 3,3 degrés. Donc, c'est très léger. Bon, je vous parle en même temps, mais je regarde sur internet les informations que j'ai, hein, donc voilà. Donc, il est marqué, notre région est un aéroport international pour les oiseaux avec des migrations d'Afrique faire le Zwin chaque année. Mais une rondelle ne fait pas un été, alors buvez-en deux. Nickel, donc c'est dans une brasserie à Adam, près de Bruges, chez les Flamands. Donc, elle est belge et disent que c'est un arôme de fruits herbacés et noyaux. Donc, c'est un goût amer, floral et juteuse. On va se goûter ça tout de suite, hein, les gars. Une bière de 3,3 degrés. Voilà. Hein, pas s'attendre à quelque chose, à mon avis, de fantastique. On sent les arômes fruités. Comme ça, l'odeur, on pourrait presque dire que c'est la triple carmélite. Allez, santé, les gars. On sent plus l'amertume que le fruit au goût. Elle est vraiment amère et on sent qu'elle est vraiment légère, quoi. 3,3 degrés, je pense que c'est la bière la plus légère que j'ai fait sur la vidéo, hein. Même soit c'est rare, quoi. On peut dire que c'est un panaché, quoi. Hein. Allez, on se revoit une petite goutte. Ici, je vais faire des vidéos, je vais en faire 8, sur Mario Bros 3. Parce que c'est mon jeu préféré et on va faire tous les niveaux de Super Mario Bros 3. Donc, je vous dis tout de suite, à chaque monde, je vais sauvegarder pour pas reprendre la partie à zéro, forcément. Donc, j'espère que ces petites vidéos vont bien vous plaire. Et nous, bah, tout de suite pour la vidéo. Donc, on est sur la map, comme on peut voir. Et on va commencer le premier niveau. Donc cette musique tellement mythique, hein. Donc je sais qu'il y a des warp zones, je vais pas les prendre. Parce que, bah, comme je vous dis, hein, je vais faire tous les niveaux. Hop. Ah, c'est toujours un plaisir de rejouer à ce jeu. On va tuer nos copains, les Goombas. On va prendre son élan pour s'envoler. Parce que, envole-moi. Envole-moi. Ouais, de cette fois, là 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 là. Donc, bah, pour ceux qui savent pas, putain, saloperie de vie. C'est mon jeu, bah, préféré, hein, vous le savez maintenant. Et je l'avais jamais fait sur la chaîne, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un let's play complet sur ce jeu. Tant qu'à faire. Et faire les choses bien, hein. Le petit 3 des familles. J'aurais très bien pu le faire la version Super NES, mais je préfère la version NES parce que c'est vraiment cette version-là que j'ai découvert en premier. Voilà. Premier niveau accompli, sans trop de difficultés. Ah, cette musique, elle est tellement bonne. Bon, bah, je pense pas que je vais rager beaucoup, hein, dans cette section de jeu. Donc, étant donné que je le connais bien. Hein, je l'ai fini plusieurs fois et on va le refinir. Voilà. C'était tout juste, hein, c'était au poil de cul près, mais ça s'est passé tranquillement. Bon, j'espère qu'on n'entend pas les sales gosses dehors qui gueulent. Parce que gueuler chez gueuler, ça je sais faire. Hein. Bon, je prends un dommage. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On retrouve une petite fleur. Une petite glissade. Voilà. L'étoile. On trace. On va en cours, en cours, en cours, en cours, en cours, en cours. Et voilà, une deuxième étoile. Donc, au bout de 3 étoiles, bah, c'est 5 vies, hein, c'est ça. Hein. On va au troisième niveau. Voilà. Bah, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le jeu. Hein. Je pense que la plupart des gens connaissent ce jeu. Mais en même temps, c'est aussi une excuse pour vider tous les stocks de bière. Hein. Voilà, nickel chrome. Hop, ici, voilà, et voilà,
on s'envole vers le ciel. Ramasser toutes les pièces. Et voilà, j'ai une vie. Je pense que si ma mémoire elle est bonne, c'est généreuse sur le niveau des vies. Hein. Bon, là-bas, je me suis dit, j'allais faire plein de niveaux de Mario Maker 2. Mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, le Mario Maker 2. Donc, je me suis dit, bah, Mario Bros 3. Peut-être que plus de personnes vont aimer. Donc voilà. Alors, on arrive ici. Pour ceux qui le savent, hein, on fait ça. Et normalement, on passe derrière. Voilà. Même si je vais pas... Mais au moins, j'aurai la petite flûte dans mon... Dans ma réserve. Et voilà. Un niveau automatique. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais beaucoup de difficultés à faire celui-là. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être parce que c'est un niveau automatique que je me suis moins à l'aise avec les niveaux automatiques, mais... Je me rappelais d'avoir pas mal galéré. Donc, je prends forcément la situation de facilité, hein. Pas se compliquer la vie quand on peut faire simple. Ah putain! Je vois faire en plus un trou de cul. Bon, il y a des petits bugs comme vous le voyez à l'écran. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, c'est le charme du rétro, hein, les gars. Bon, on se concentre. Hop! Hop! Voilà! Et jouez, Greg! Un petit saut, on rentre dans le tuyau, on court, on court, on court, on court, et on saute. Ah, bah on n'a pas fait 3 étoiles, donc ça nous fait qu'une petite vie. Alors ici, faut... Bah, comme vous le savez, faut aligner les 3 trucs. Alors là, je suis vraiment très nul. Ouais, je vous l'avais dit, hein. Ouais, bah, j'ai un champignon fleur, c'est original. Le premier petit château. Voilà, tellement la musique très sympathique. Le 3 est vachement plus facile que le 1, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le 1, je le trouve un peu plus compliqué. Mais celui-là, j'ai vraiment trouvé plus facile. Voilà. Et voilà, encore une petite flûte. Pour ceux qui ne savaient pas, sans tuer le boss, on a tué le château. Mais comme vous voyez, comme on n'a pas tué le boss, on n'a pas... On veut la petite clé là pour que, bah, si jamais on meurt, on doit tous taper la mort. Bon, en soi, c'est pas vraiment très grave, hein. Voilà. Bravo. Ça, c'est vraiment bête. Voilà, hop, on est de retour dans les airs. Voilà, c'est pas très passionnant, hein. Faut simplement récupérer les petites pièces au fur et à mesure. Voilà. Alors lui va tomber. Voilà. Tellement prévisible. Y'a plus rien là. Non, y'a plus rien. Allez, saute gros sac. Attention là. Ouais. Crash une petite boule. On court, on court, on court. Et voilà, on est déjà à la fin. Pour l'instant, franchement, le premier monde est vraiment pas sorcier, vraiment pas compliqué, est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. 6e niveau déjà. On va essayer de pas mourir sur ce monde-là. Si on peut faire un sans faute, ce serait bien. Voilà. Ça fait une petite sécurité en plus. Ça, c'est du grec tout craché. Une petite vie. Tout ça pour ça, on va me dire. Alors, les rails. Voilà. On se laisse voyager tout en évitant les ennemis. Hop. Voilà, je me disais bien qu'il y a une petite plateforme qui allait arriver. Voilà. Là, je me concentre. Voilà, nickel, ça passe. Ah oui, ça c'est les cartes. Alors que le système de sauvegarde, il y a moins de tricher, mais on va essayer de pas tricher, hein.
Hop, hop, sans tricher, vous voyez. Bon, c'est vraiment un petit peu de la chance, surtout au début. Et j'ai pas vraiment une très bonne mémoire, donc ça se peut que j'oublie très vite. Donc franchement, il y a pas mal de petits bonus sur ce jeu. Donc voilà, hein. Hop, une petite étoile supplémentaire. Oh, it's terrible! The king has been transformed! Please visit in the magic wand, the Sukan Chance MM Bike! J'ai un accent anglais terrible. Voilà. On arrive au dernier niveau du monde 1. La première fois que j'ai vu ça, franchement, je dis ah ouais, quand même. On n'a rien vu, on va recommencer. Donc ouais, donc on perd, donc le truc qui s'en va là-bas, hein, le bateau. Je le sais en plus, hein. C'est vraiment con, hein. Un petit champ pipi, viens ici. Voilà. La musique aussi est vraiment pas mal sur ce bateau. Bon, vous n'allez pas faire une croisière sur un bateau ainsi, hein, on se dira, mais... Voilà, on arrive au boss. Essayez de pas faire le con. Et voilà. Premier monde terminé. Bon les amis, bah j'espère que cette petite vidéo et ce format de vidéo va vous plaire. Donc à la prochaine pour l'épisode numéro 2. On va vous découvrir le deuxième monde. Moi je vous dis à la prochaine et salut tchuss! Bisous câlin, au revoir et merci.